commencer par prier. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup, parce que ce matin, on a un merveilleux privilège de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir être enseigné par ta parole. Dans mon temps de vacances, Père, j'ai eu l'occasion de voir toutes sortes de choses, de parler à plein de monde. Et combien ça me rassure encore une fois que de voir que ta parole est un guide sûr et certain. Une parole digne de confiance qu'on peut mettre notre appui dessus afin de ne pas être emporté à tout vent de doctrine, à toute folerie, à toute pensée humaine. Combien ça nous rassure, Père. Et ce matin, on veut la rouvrir avec cette conviction, en étant guidé par elle, en étant conduit aussi dans nos cœurs par ton Esprit Saint. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. On te demande cette bénédiction-là ce matin. Amen. Amen. OK. Tournez dans l'Épître aux Romains, s'il vous plaît. L'Épître aux Romains, on va continuer sur la lancée de toute l'exposition de l'Épître aux Romains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient, après 2-3 semaines, de où qu'on était rendu? On était rendu au verset 5 de l'Épître aux Romains. Juste une petite parenthèse avant qu'on commence. J'ai été 2 semaines comme absent de l'Assemblée. Ben, il y avait dimanche aussi que c'était fermé complètement. Je me suis promené à travers la province de Québec. J'ai écouté des gens. J'ai parlé avec des gens. Et puis, aux États-Unis, il y a une nouvelle mode présentement qui est en train de se produire. Je ne sais pas pourquoi toutes les nouvelles modes partent de là, pas juste dans l'habillement, mais dans d'autres choses aussi. L'exposition de la parole n'a plus sa raison d'être dans certaines églises. À cette heure, c'est des mimes, c'est des sketchs, parce qu'il disait que Jésus prenait des paraboles pour enseigner la foule. Donc, l'image mimée vaut mieux que la prédication de la parole de Dieu. Ça, c'est un nouveau courant de pensée là, qui est décollé aux États-Unis. Malheureusement, c'est pas la pensée de Dieu pour eux. Mais très heureusement pour nous. Et puis, la prédication de la parole de Dieu a toujours été une puissance pour l'Église de Christ depuis le début. Et si ça n'avait pas été bon, pourquoi nous retrouvons Christ qui rouvrait les Écritures, prêchait, enseignait dans les synagogues? Si ça n'aurait pas été bon, pourquoi l'apôtre Paul a continué son discours jusqu'à minuit? Pourquoi la prédication, c'est marqué que les anciens qui travaillent, je dis d'un double honneur, sauf ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication. C'est une puissance, c'est une force. Et puis, les assemblées chrétiennes, partout dans le monde, peu importe la catégorie d'assemblée, qui s'en tiennent au texte, c'est des églises qui ne dérapent jamais. Oui, ils peuvent avoir des différentes opinions sur certains points, mais ce n'est pas des églises qui dérapent dans toutes sortes de foleries à travers le monde, des fausses pensées du monde. Et c'est des églises qui sont saines, qui sont bien portantes. C'est des églises qui fonctionnent selon la volonté divine. Bon, ça c'est une petite mini-parenthèse qui n'a pas rapport pantoute avec le sujet de la matin. Mais c'était pour vous dire à quel point que je suis heureux que Dieu m'ait mis à cœur depuis mon enfance spirituelle, depuis l'âge de 16 ans, que les Écritures, la profondeur des Écritures, c'est une source de puissance, c'est une source de garantie, c'est une source de sécurité, c'est une source de bienveillance envers nous, son peuple. Et les gens qui se tassent, ben, ils ont des gros problèmes plus tard dans leur vie. Puis c'est pas trop long que ça arrive, t'as pas besoin d'entendre bien longtemps. OK! Tournons dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, et à partir du verset 5. J'aimerais faire un petit tour en arrière pour se remettre un peu dans le bain. On va juste lire vite du verset 1 au verset 4, faire un petit survol miniature, très vite, pour continuer après. Verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. On avait vu le volet serviteur, on avait vu le volet appelé à être, et on avait vu le volet mis à part pour. Et est-ce que vous vous souvenez de quoi on avait dit? On avait dit ces trois points-là, on avait mis l'emphase beaucoup là-dessus.
serviteur, d'avoir un cœur humble de serviteur, prendre la position de serviteur. On avait appelé, on avait parlé des dons spirituels un peu, parce qu'on est appelé à être quelque chose. Pourquoi? Pour annoncer l'Évangile dans ce cas-là, mais pour faire d'autres choses. On est mis à part. Appelé à être et mis à part pour. Verset 2. L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, verset 5. J'ai l'intention d'entrer vraiment en détail de chaque mot qui sont là. Et puis c'est une importance capitale pour nous. Si nous ne rentrons pas en détail là, fermons ça, arrêtons de lire l'Épître aux Romains. Parce qu'il est essentiel. Et ce n'est pas pour rien que c'est mis au début. Verset 5, on va le lire au complet. « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. » Prenons les deux premiers mots. Quels sont les deux premiers mots du verset 5? Par qui? Par lui. Par lui. Par lui. Pas par qui? Mais c'est marqué par qui? Par lui. Ça dépend de la version. OK, par lui. Est-ce que ces deux mots-là ont une importance capitale dans la vie chrétienne? Par lui. La première des choses, c'est marqué « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. » On va voir tantôt qu'est-ce que la grâce, qu'est-ce que l'apostolat. Mais en premier, il faut bien déterminer, il faut bien se mettre à cœur le mot « par lui ». Les deux petits mots « par lui », ils sont d'une importance capitale. Premièrement, pour notre salut. On a reçu quoi en premier? La grâce. Tournons dans Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Actes chapitre 4, versets 11 à 12. Et vous allez voir que, avec ce qui va suivre, pourquoi il est d'une importance capitale. Ces deux mots-là sont au début de l'Épître aux Romains, vous allez voir pourquoi. Actes chapitre 4, versets 11 et 12. Qu'est-ce que c'est écrit? Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un fondement. Quel est, je vous pose la question, ici au Québec, si nous construisons un salage de 12 pouces d'épaisseur, super bon, super résistant, et nous ne mettons pas de footing, de base au salage, qu'est-ce qui va arriver? Tout va casser. Même si vous mettez un salage de 12 pouces d'épaisseur, si vous ne mettez pas une base à votre salage, qu'on appelle une footing tout le tour, tout va tomber. S'il n'y a pas le bon fondement, tout tombe. Donc ici, les gens, ce que Pierre est en train de dire, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et là, il dit une chose. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Revenons à l'Épître aux Romains. Là, c'est marqué ici. Par lui, nous avons reçu la grâce. Savez-vous qu'aujourd'hui, et depuis les débuts de l'époque de l'Église, c'était tout le temps, pour certaines personnes, Jésus plus autre chose, ou Jésus avec d'autres choses.
Sans cette autre chose-là, tu ne peux pas être sauvé. La plus grande preuve, tournez dans Actes chapitre 15, verset 1. Actes chapitre 15, verset 1. Qu'est-ce que ça dit? Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Oh! C'était Jésus plus autre chose. Qu'est-ce que l'Église catholique de Rome, pendant des siècles et des siècles, ont dit? Si tu n'es pas baptisé, en étant petit bébé, tu ne peux pas rentrer au ciel. Le baptême, c'est la porte pour. Oui, Jésus, mais le baptême, ça, par exemple. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui prennent Marc, chapitre 16, verset 16, qui dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Il y a même des chrétiens, nés de nouveau, qui enseignent que si tu n'as pas été baptisé d'eau, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que c'est une théorie qui est valable selon les Écritures? Non, parce que même Paul, il dit dans 1 Corinthiens 1, 14, il dit « Je ne suis pas venu pour baptiser, je suis venu pour prêcher l'Évangile. » Il dit « Ce que je pense, j'en ai baptisé quelques-uns d'entre vous. » Si le baptême avait été obligatoire au salut, Paul aurait dit « Je vous ai tous baptisés, ça serait dépêché de baptiser. » Mais la conscience de dire, mais là, je ne veux pas partir, je ne veux pas enseigner sur Marc 16, 16. Mais le motif de la condamnation de Marc 16, 16, c'est celui qui ne croira pas sera condamné. Ce n'est pas le baptême d'eau. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est Jésus plus autre chose, ou Jésus avec d'autres choses. Mais qu'est-ce que le texte ici dans Romains, si on revient, à Romains, c'est marqué par lui. Est-ce que c'est marqué par lui et le baptême? Par lui plus autre chose? Non. Et c'est là le point capital de l'Épître aux Romains. La grâce seule. Le pardon seul. La journée qu'une personne comprend que c'est pas par ses œuvres, c'est pas par sa bonté de personnalité, c'est pas par le baptême ou c'est pas par rien d'autre, que c'est juste par Christ seul qu'il reçoit la grâce, il se trouve à être sauvé. Et c'est là le constat de tous les hommes au travers des siècles qui ont lu l'Épître aux Romains, qu'ils ont compris que c'était seulement par Christ seul que la grâce vient. Et ça, c'est primordial de savoir ça. Tu ne peux pas rajouter autre chose que Christ. Il n'y a aucun autre nom. Aucune autre personne qui a été donnée sous le ciel, sur la terre, afin qu'on puisse être sauvé. Et ça, il faut le comprendre. Si on continue verset 5. Par lui, nous avons reçu la grâce. Qu'est-ce que la grâce? J'ai essayé, à un moment donné, j'ai lu plusieurs livres dans ma vie sur la grâce. C'était compliqué. C'était touché. Les grands théologiens qui arrivaient avec toutes sortes de choses. Je me suis demandé, c'était quoi la meilleure définition de la grâce? Devinez où je l'ai trouvée. Dans le Larousse. Dans le Larousse? Pas en tout. Pas dans un dictionnaire. Où j'ai trouvé la meilleure définition de la grâce? Oui, dans la Bible. Et à quel endroit? Quand vous allez lire ça, avec l'optique que c'est la meilleure définition de la grâce, vous allez comprendre profondément ce que c'est la grâce. Tournez dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 9. Qu'est-ce que la véritable grâce? C'est marqué, nous, par lui, par Christ, nous avons reçu la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 9. Et c'est marqué, pesez chaque mot. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. Comme les autres.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la plus merveilleuse de toutes les définitions de la grâce. Tu étais mort, tu étais pourri, même si tu marchais vivant. Tu as été pardonné, tu as été gracié. Du coupable que tu étais, tu es rendu maintenant parfait, saint, irréprochable, pardonné de tout péché. Tu as juste à confesser de ta bouche tes péchés. Tu as juste à ouvrir ton cœur, demander pardon, reconnais que tu es coupable, demande pardon à Dieu. Voilà la définition, la plus grande définition de la grâce, c'est ça. Mort, rendu, vivant, pas par toi-même, mais à cause de Christ, par Christ et en Christ. Je vais vous faire travailler un petit peu. C'est marqué, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Là, Paul parlait d'un terme qui était pour eux. Qu'est-ce que l'apostolat? Ministère. Pierre était un ministère? Comme si c'était à nous autres à annoncer ce message-là. OK. Un messager. Messager. Qu'est-ce que le mot apôtre? Ça détermine une personne. Qu'est-ce que l'apostolat? Exactement ça. Ça détermine le travail de la personne. Un évangéliste, qu'est-ce qu'il fait? Évangéliste. OK. Un assembleur, ça fait quoi? Un soudeur, ça fait quoi? Un journalier, ça fait quoi? Ça fait un journal. C'est un journal. Dans la Bible, il y a des termes qui sont docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, toutes sortes de termes. Mais il y a le nom du ministère. Paul avait reçu l'apostolat. Mais ce que Paul a en tête, il dit, nous avons aussi reçu le service dans ce que nous faisons. Et maintenant, on peut dire aussi le ministère et ou le service. L'apostolat englobe les deux choses. Mais pourquoi ils ont reçu ça? Le terme est très clair. Pourquoi ont-ils reçu ça? Parce que Dieu avait un but en leur donnant ce ministère, ce service-là, cet apostolat-là. Ça se dit-tu, apostolat-là? Cet apostolat-là. Ça se dit, mais bien prononcé. Mais quel était le but de Dieu en donnant ce ministère-là à ses frères-là? C'est marqué juste en bas. Vous n'avez pas tout lu comme les assurances, vous n'avez pas tout lu le contrôle complet. C'est marqué pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. OK? Voici. Il y a plusieurs principes là-dedans à comprendre. À comprendre. Est-ce que nous avons reçu la grâce? Oui. Donc, si tu as reçu la grâce, tu as reçu quoi d'autre avec? L'apostolat. Le service. Vous n'êtes pas des apôtres. On s'entend? Comme Paul, définitivement apôtre. Mais on a reçu chacun des quoi? Le don. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée. Éphésiens chapitre 4. L'apôtre Paul enseigne ailleurs qu'il y a diversité de dons et diversité de ministères. Exactement ça. Diversité de dons, diversité de ministères. Donc, malheureusement, aujourd'hui, 80 à 90% des chrétiens coupent
la grâce et l'apostolat et les sépare. Et reste figé dans la grâce. Le plus grand drame d'une église chrétienne, c'est de rester figé dans la première partie. Je suis sauvé, j'ai rien d'autre à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? Non. Non, non, mais est-ce que c'est la réalité? Oui. OK, c'est ça que je voulais dire. C'est-tu la réalité? Oui. Paul, lui, regarde ça, puis il dit, écoute, par lui, par Christ, nous avons reçu la grâce. Fini. Arrête ça. Mais pourquoi il marque et l'apostolat, et le service, et le ministère? C'était pas pour le fun qu'ils ont reçu ça en plus. Dieu donne inconditionnellement sa grâce, le pardon. Mais il te donne d'autres choses qui amènent à faire quelque chose. Il te donne quelque chose et qui t'amène à faire autre chose. Patrick, je t'aime bien gros. Je t'apprécie beaucoup. Je suis prêt à tout te pardonner puis je te donne un marteau. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu vas faire avec le marteau que je t'ai donné? Tu vas l'encadrer, tu vas le mettre là dans un cadre. Ou tu vas le laisser dans ton coffre avec l'étiquette dessus puis l'enveloppe. Même le chou dessus, tu le laisses dans ton coffre. Qu'allez-vous faire avec le marteau? On va l'utiliser à faire toutes sortes de choses. Tu vas l'utiliser à faire toutes sortes de choses. Ben voyons, vous êtes fous. Un marteau, c'est fait pour rester dans un coffre. Et le coffre, il ne faut pas qu'il se graffine. Si vous voulez voir si quelqu'un utilise ses outils, allez voir son coffre. S'il est beau, 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 pareil comme au magasin, puis tu peux la remettre sur une tablette, le coffre n'est pas utilisé. Si vous voulez voir que les outils servent, allez voir son coffre. Ça va tout être en verre, il va avoir de la crasse, il va avoir de la poussière, il va avoir toutes sortes de choses dans son coffre. Puis, c'est pas de monter en bateau, j'ai déjà vu des coffres en masse. Puis c'est toujours en envers. Mais en tout cas, je suis à la fin du gars, là. Mais c'est sale, tu vois que c'est utilisé, tu vois que ça a servi. Donc maintenant ici, Paul, il dit, nous avons reçu la grâce et l'apostolat, le ministère. Pourquoi? Pour rien, pour rester chez nous, pour rien faire. Est-ce que c'est ça que le texte dit? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je vous pose une question piège ce matin. Est-ce que la Bible, je vais vous en poser deux ou trois. Est-ce que la Bible parle de champ? C-H-A-M-P-S. Oui. OK. Combien y a-t-il de types de champs dans la parole de Dieu? Parlez-moi pas des quatre terrains du cœur. C'est pas ça que je parle. On parle pas de terrain, on parle de champ. Champ de la moisson. OK? Linda en a trouvé un. Le champ qui parle de la moisson. Écoutez. Le champ de la moisson d'évangéliser. C'est ça que le Seigneur parle. Exactement. Il faut comprendre qu'avec ce qu'on a reçu comme service, comme ministère, nous devons utiliser pourquoi? Pour aller travailler dans ce champ. Le premier champ qui existe, ils ne sont pas en ordre d'importance, ils sont tous les deux importants. Et il faut travailler sur les deux terrains. Le premier, comme Linda disait, le champ de la moisson. Christ, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, la moisson est grande, et qu'est-ce qu'il faut faire? Les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson. OK? La moisson, c'est dans le monde. OK? Le champ, c'est dans le monde. Bon. Et puis, il faut travailler jusqu'à ce que Christ revienne. Ça, c'est le premier. Si vous voulez avoir les références dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, et Matthieu 13, 24 à 30, et versets 36 à 43. Christ nous a appelés à aller dans la moisson, de parler de lui. Et pourquoi? Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, il faut que nous comprenions que nous sommes des gens qui devons travailler dans cette partie de chant-là, ce style de chant-là, avec toutes sortes de choses. Dans un champ, c'est toujours plat, c'est toujours droit, il n'y a pas de difficulté.
Les gens qui ont défriché en premier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés là, ils ont vu un bois. C'était du bois, totalement du bois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé les arbres. Après, arraché les souches, mais ils n'ont pas fait ça à main. Ils ont utilisé des animaux. Les souches, tu n'arraches pas ça à main. Les troncs d'arbres gros de même, tu n'arraches pas ça avec tes bras. Fait qu'ils ont utilisé toutes sortes de choses, de méthodes, de façons, de moyens. Ils ont arraché les souches, ils mettaient les souches dans un tas, ils faisaient brûler les souches pendant qu'ils continuaient à scier. Et c'était la façon. Ensuite, quand tout était enlevé, qu'est-ce qui se restait à faire? On plante? Non. On laboure, on revire la terre pour que la terre puisse prendre des roches, des grosses roches. Puis on faisait de ça, on prenait des roches, puis on faisait des salages de maison avec ça. Après ça, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait les petites roches. On enlevait ça pour que la terre soit bien droite. Après ça, on mettait la terre égale. En plus, on ensemençait. Il y avait énormément de travail à faire. Il y avait toutes sortes d'outils, de choses qu'on pouvait prendre à gauche, à droite, pour réussir à semer, pour avoir un résultat. Mais dans le monde, c'est la même chose. Christ se servait des paraboles pour enseigner des choses. Mais l'image que je suis en train de vous dire, c'est la même chose. Si nous pensons qu'évangéliser dans ce style de chant-là, c'est facile, détrompez-vous. Pensez-vous que personne se blessait quand il travaillait au champ pour défricher? Les gens sont blessés. Les gens travaillent fort. Les gens suent. Les gens, ils ont chaud. Ils travaillent. Ils en arrachent. Ton malade, même s'ils sont malades, ils travaillent pareil. Fait que peu importe ce qui arrive dans notre vie, on doit toujours avoir dans la perspective que nous sommes ici sur Terre pour travailler. Je ne parle pas pour gagner 20$, puis 40$, puis 200$, puis 1000$ par semaine. Je ne parle pas de ça. Je parle de travailler dans un champ qui s'appelle le monde. Maintenant, quel est l'autre champ? Notre autre champ? Non. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 9. Chapitre 3, versets 9 à 15. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est ce que je vous disais tantôt. Il n'y a aucun autre fondement que Christ. Pourquoi utiliser toutes sortes de foleries dans le monde pour prêcher l'Évangile? Pourquoi pas utiliser le seul et unique bon fondement qui est Christ? Puis la Bible dit clairement, faites attention comment vous bâtissez. Il faut absolument faire attention à la manière qu'on bâtit. Qui va bâtir une maison de 2 étages sur des poutres de bois? Personne. Ça va finir par pourrir et ça va tomber. Pourquoi on bâtit une maison sur un salage, sur une footing? Parce qu'on veut être sûr qu'elle résiste aux intempéries, au vent, à la pourriture, à toutes sortes de choses. Et on continue. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur son fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Maintenant, revenons à l'Épître aux Romains. Et au verset, la moitié du verset 5. Pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Il y a 2 volets à cette phrase-là. Premièrement, amener tous les païens, si plus possible que, nous savons très clairement que ce n'est pas tous les païens qui vont être sauvés. C'est impossible, c'est une fausse doctrine. OK? Et nous savons que ceux qu'on prêche l'Évangile, il y en a au travers qui vont se convertir. Nous sommes de ce nombre-là. Nous devons les amener à l'obéissance de Christ pour le salut de leur âme. Mais est-ce que, si je fais une comparaison,
Lionel, sa femme, vont avoir un enfant. L'enfant va venir au monde, on va mettre une couverte, une couche, un biberon, après ça on laisse une table et on ne s'en occupe plus. Lionel, tu vas faire ça, hein? Tu vas-tu faire ça, Lionel? J'espère que oui, ça serait la plus chose et la plus logique au monde de laisser tomber un enfant qui vient juste de venir au monde. Y a-t-il un passage dans la parole, et oui, la réponse est oui, y a-t-il un passage qui dit « Amenez les gens à l'obéissance captive de Christ ». Est-ce qu'on peut dire qu'un coup sauvé, les païens, nous, qui sommes venus à l'obéissance de la foi, est-ce que nous sommes rendus des hommes faits, des hommes matures, des femmes matures, des hommes à la stature parfaite de Christ? Donc, il faut que collectivement, la Bible dit que nous sommes le champ de Dieu. Donc, collectivement, qu'est-ce que vous allez faire pour travailler dans le champ de Dieu? Il y a un champ dehors que nous devons travailler, mais il y a un autre champ. Et c'est marqué que faut prendre garde à la façon qu'on bâtit. Comment qu'on va bâtir? Avec les dons spirituels. Si vous êtes conscient de votre don spirituel et que vous travaillez à l'intérieur du champ de Dieu, dans la localité d'une ville où ce que vous êtes, vous travaillez réellement à l'œuvre de Dieu. Et vous travaillez au champ de Dieu. Imaginez-vous 30 secondes, j'achète un champ puis j'engage une personne. La personne s'accote sur une bûche avec son iPod. Ou sa tablette, son iPad. Là, je lui demande, viens travailler. Oh, bon, ben, il se lève, il est tout habillé en blanc, avec des beaux souliers blancs. Mais là, il faut revirer à terre, il faut travailler, il y a du fumier là-dedans, il y a toutes sortes de choses. Puis là, il s'habille tout en blanc, puis il dit, oui, moi, je suis prêt à travailler au champ. OK, bon, ben c'est beau, pogne-toi un râteau, une bêche, tout ça, puis on va se mettre à genoux à terre. Puis, il regarde le râteau, la bêche, il dit, ouais, tente pas vraiment, il y a un effort à faire. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là? Va-t'en chez vous. Va-t'en chez vous, autour de là. Regarde, tu nuis plus que tu avances les choses. Dégage pour sa presse. Dégage pour sa presse. En bon québécois, fais de l'air, débarrasse, toutes sortes d'expressions en québécois. T'es pas en bonne place. Regarde, viens ici, tu m'as te montrer de quoi. Première affaire, va t'habiller au sens du bon sens. Puis quand tu t'habilleras en vieux, puis en proche, bien là, tu vas pouvoir venir travailler. Combien de fois qu'on pourrait dire la même chose à certains chrétiens? C'est quoi tu fais là? Tu es dans le champ de Dieu, premièrement, tu n'es même pas conscient que tu es dans le champ de Dieu, et deuxièmement, tu ne cherches pas à t'équiper pour travailler dans ce champ-là. Ça va être raide ce que je vais dire. Tu restes assis sur ton steak, sur tes fesses, tu te fous de l'œuvre de Dieu, tu ne veux rien savoir, et tu ne veux rien savoir de travailler pour Dieu. Ça, c'est une phrase que si je dirais dans certaines assemblées chrétiennes... Oui. Je parlerais le restant de mes cheveux, puis il parlerait à ma place, puis je me ferais tasser. Qu'est-ce que nous faisons assis sur notre steak quand Dieu nous dit clairement que l'Église, à la localité où on se trouve, fait partie du champ de Dieu, puis tu ne fais rien. Tu ne fais rien. L'apôtre Paul te dit que par lui, tu as reçu la grâce, puis le ministère, l'apostolat, le service, prends-les comme tu voudrais. Puis il te dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Mais ce n'est pas juste de mettre un enfant au monde qui est important. Ah, il y a bien du monde sur la terre qui sont bien capables de faire des enfants. Ils ne sont pas capables d'être des parents. Et sur la terre, il y a bien du monde qui sont capables d'accepter le Seigneur Jésus. Mais après ça, là, ça finit là. Mais est-ce que nous voulons être dans cette section de personnes-là? Est-ce qu'on veut être le jeune ou le vieux? Peu importe. Mais d'habitude, avec les iPads et les iPods, c'est des jeunes. Est-ce que nous voulons être un jeune sur le bord du champ? Hein? Il se couchait à 4h du matin. C'est bien trop dur, se lever à 2h d'après-midi. Il faut me lever à 4h d'après-midi. Mais aujourd'hui, c'est ça la tendance. Mais la vérité des choses, la vérité, la pure et stricte vérité,
c'est que nous sommes le champ de Dieu. Et voulez-vous un secret? Savez-vous pourquoi une église chiale et rouspète tout le temps? Parce qu'ils ne sont pas occupés à faire quelque chose pour Dieu. Demandez à quelqu'un qui est très occupé à faire quelque chose pour Dieu, il n'a pas le temps de chialer. Et son cœur n'est pas pour chialer, son cœur est pour faire encore plus. Mais si vous vous apercevez quelqu'un chiale et chiale tout le temps après tout le monde dans l'assemblée, demandez-y voir ce qu'il fait. Il ne fait rien. Il passe son temps chialer. Ça, c'est une grande vérité. Ce n'est pas scripturaire, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas écrit « si tu ne fais rien, tu chiales ». Mais c'est la vérité pareille. C'est la vérité pareille. Donc, si on revient, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, amener à l'obéissance captive de Christ, servez-vous de vos dons pour exhorter, enseigner, corriger, aimer, toutes sortes de choses, et pour avoir à cœur de, qu'une personne soit transformée à l'image de Christ. Dieu veut et Dieu se sert de vous. Laissez-vous, quand on dit « laissez-vous abuser par quelqu'un », on dit non, mais je vous dis « laissez-vous abuser par Dieu ». Vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu, ce n'est pas le bon mot. Dieu abuse pas. Dieu utilise. Et vous allez voir le bonheur que vous allez en retirer d'être utilisé par Dieu, d'avoir fait son œuvre. Moi, je dis toujours une chose. Une des plus grandes raisons de l'échec à la dépression, laisse-toi utiliser par Dieu. Tu n'auras pas le temps d'être en dépression. Tu n'auras pas le temps d'être déprimé. Tu vas avoir tellement de projets pour Dieu. Tu vas avoir tellement de choses à faire pour le Seigneur. Puis d'ouvrage, il y en a. Mais qui travaille dans une usine ici? Qui travaille dans une usine? Moi, je travaille dans une usine. Patrick, tout ça. Bande des shops. Y a-t-il une phrase que vous avez déjà entendue? Il n'arrête jamais d'avoir de l'ouvrage d'une shop. Il y a toujours de quoi faire dans une shop. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais avec l'œuvre de Dieu, c'est la même chose. Il y a toujours, toujours, toujours de quoi faire. OK. Maintenant, verset 6. Parmi lesquels vous êtes aussi, mais si on revient un petit peu, là, par lui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Qui a déjà écouté l'émission « Donnez au suivant »? Mesdames, ne mentez pas. Qui a déjà écouté l'émission « Donnez au suivant » Moi, j'ai déjà écouté. Comment vous trouvez ça? Le principe de donner au suivant l'émission, c'est qu'il y a une personne qui vit une difficulté, qui était dans un trouble ou qui est dans un trouble terrible, puis il y a des gens pour l'aider comme ils peuvent, de faire du bien, de reconstruire une maison, de donner des chambres, ces choses-là. OK? C'est pas mal. Mais qu'est-ce que le texte dit ici? Parmi lesquels vous êtes aussi. Comment est-ce que tu étais avant? Perdu. Perdu, païen, tout croche. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es comme ça? Parce qu'il y a des gens avant toi qui ont fait quoi? T'as annoncé le salut, t'as enseigné la parole. Est-ce que vous êtes déjà fait corriger par un chrétien ou une chrétienne? Est-ce que vous êtes déjà fait encourager par un chrétien ou une chrétienne? Oui. Oui? Pourquoi que ces gens-là ont fait ça? Fait que si on prend le principe ici, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, c'est un principe, puis la phrase est là pour te faire réveiller, pour nous réveiller. Dire, regarde, toi aussi, tu es dans la même gang, tu as fait le même processus. Donc, ça indique quoi? Qu'est-ce que ça devrait nous indiquer? Ça devrait nous indiquer 2 Timothée 2, 2. On va y tourner. 2 Timothée 2, 2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça s'appelle redonner au suivant évangélique, on va dire.
C'est un jeu de mots, là. Toi aussi, t'étais de cette gang-là avant. T'étais amené à la foi et t'étais amené par toutes sortes de moyens, par à l'obéissance captive de Christ, afin d'être soumis. Donc, qu'est-ce que tu devrais faire? Tu devrais faire la même chose que les gens ont fait avec toi. Oui, c'est vrai que tu as un bout de chemin à faire, mais l'Église est excessivement importante. Quand on me dit, je suis chrétien, je n'ai pas besoin d'aller à l'Assemblée. Parce que pour moi, tu n'as pas lu la même Bible que j'ai lue. Parce que l'Assemblée est excessivement importante. Je vous nomme quelques exemples. Tu es supposé d'obéir à Christ. Mais mettons que tu es dans le champ pour un sujet, un aspect de ta vie. Qui va pouvoir t'exhorter à changer? Qui va pouvoir t'enseigner à changer? Sûrement les murs chez vous. Tu reçois un don spirituel, X, ou tu vas le mettre en application, ton don spirituel, chez Metro, chez Maxi, chez IGA? Non. Ton don spirituel est à l'intérieur. Il y a des gens qui me disent, « Ouais, évangéliser, c'est don d'évangéliste, t'as pas besoin du tout de l'assemblée. » Ah oui, les enfants de chrétiens, ils sont tous chrétiens, eux autres. Ils sont tous convertis de la guerre. Non, ils ont besoin d'évangélisation aussi. Mais oui, c'est vrai que la majorité du travail est à l'extérieur. Mais voyez-vous l'importance de faire ça comme ça, de comprendre l'importance de l'Église locale, de comprendre notre rôle, de comprendre que c'est le champ de Dieu, de comprendre que nous avons un travail à faire. Et la grande question est la suivante. Qu'est-ce que vous avez pris comme résolution en 2017? Hein, vous ne pensez pas que j'allais vous en parler. Hein? Je pensais que vous allez passer droite. Hein? Il y en a qui souhaitent des bonnes résolutions. Je vais prendre résolution. Mais je vous pose la question. Quelle est la résolution que vous avez prise en 2017? Manger moins de gâteaux? Oui. Plus de beignes. Plus de beignes. Qu'est-ce que vous avez pris en 2017 comme résolution? Continuer à servir le Seigneur. Continuer à servir le Seigneur? Mais maintenant, avec la prédication de ce matin, quel devrait être le réel engagement? Parce qu'en passant, les prises de position que vous avez prises, ça ne durera pas. Vous n'allez pas les respecter. Vous allez vous planter. OK? Je vous dis tout de suite, là, vous allez manquer votre coup. Mais ça ici, ça se trouve être d'avoir combattu le bon combat. Et c'est l'Esprit de Dieu qui va créer en vous le vouloir et le faire. Nous, de notre propre chair, nous créons en nous le vouloir. Ah, j'ai une bonne intention, je veux faire ça. Puis le faire, qu'est-ce qui se passe? La semaine d'après, ça tombe. Quand tu es bien bon, ça dure 3 semaines et 1 mois. Moi, j'ai essayé, je n'ai jamais été capable de prendre des résolutions et de les tenir. Mais par exemple, si nous prenons conscience de juste ça ce matin, juste ça, qu'on va prendre l'engagement de servir le Seigneur dans le champ à l'extérieur, puis aussi dans le champ qui est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et pour finir, verset 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. On pourrait encore rentrer dans bien des choses, mais il y a un terme là-dedans, parce que l'Épître aux Romains, comment que je veux l'amener, c'est dans le pratico-pratique, du day-to-day. Je veux vraiment que ça soit ce que le Seigneur me met à cœur, c'est James prêche pas juste la doctrine, mais prêche aussi pour que ça puisse être vraiment du concret dans la vie d'une personne. Et ici, le terme « saint par vocation ». Je vous mets au défi un devoir cette semaine. Ah, c'est rare que je donne des devoirs, hein? Et je ne vous demande pas de m'écrire ça sur une feuille, là, c'est pas ça que je dis. Mais vous avez un devoir cette semaine
de chercher qu'est-ce que ça veut dire et de l'appliquer, c'est un devoir qui dure un an et toute votre vie. Saint par vocation. Qu'est-ce que saint par vocation veut dire et comment l'appliquer dans votre vie? Ça, ça va être pour votre devoir. Je ne vous le dis pas. Peut-être dans une semaine ou deux, je vais vous le dire. Mais je vous demande de chercher ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est marqué « Bien-aimé de Dieu, saint par vocation. » Saint, c'est un état. Vocation, c'est un appel. Un appel, une chose à faire. Oh! Job. Et je vais vous donner un indice. Mettre fin avec vous autres. Un indice, comme un professeur qui avait un examen du ministère, donne un indice. L'indice, ça va être la suivante. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16. Marquez ça, ou vous pouvez aller le voir. Mais saint par vocation. Et puis un autre indice, mettez en œuvre votre salut. Oh! Mettre en œuvre notre salut. On est déjà sauvé, mais le mettre en œuvre, saint par vocation. C'est des choses qui se touchent très proches. C'est comme un pléonasme. C'est à peu près, ça veut dire à peu près la même chose. Monter en haut, descendre en bas, ça c'est un pléonasme. Mais saint par vocation, mettre en œuvre notre salut. Oh! Alors, regardez ça comme il faut. C'est un devoir que je vous donne cette semaine. Fait qu'on va conclure par la prière et puis aussi par les offrandes. Seigneur Dieu et Père, donne-nous pour l'année 2017, premièrement, d'être très équilibré dans notre foi, dans notre conception de la parole de Dieu, afin qu'on puisse avoir un ministère efficace, efficace auprès des gens de l'Assemblée, un ministère efficace auprès des gens qui nous entourent, afin que les gens ne voient pas l'Évangile, ta parole, comme une folie, mais comme quelque chose d'extraordinaire. Donne-nous d'être équilibrés dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos émotions, afin d'être de plus en plus de très bons serviteurs qui ne font pas honte à ton Évangile. Donne-nous aussi, Père, ce matin, de comprendre que nous avons un travail et d'être fidèle dans ce travail. Pas nonchalant, pas comme des gens qui travaillent un peu et se reposent très longtemps, mais comme des gens qui travaillent avec acharnement à ton œuvre et avoir un petit peu de repos. Alors Père, donne-nous d'être de plus en plus assidus à ta parole, assidus aux assemblées, assidus, Père, à ce que tu veux nous enseigner, assidu à tes corrections. Merci pour toutes ces choses, Père. On veut te prier aussi pour les offrandes, afin que ton œuvre puisse continuer, ton œuvre puisse prospérer entre tes mains, et afin que les gens voient quelque chose de plus en plus d'extraordinaire qui les entoure. C'est en nom de ton Fils que je te prie ce matin. Je te demande ces choses. Amen. Amen. Amen.